Bonjour, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est un test que j'ai fait sur une boutique chinoise, Né Joli. Donc j'ai vu ça sur la chaîne. Alors moi, c'est pas du tout un partenariat. Hein. Je l'ai testé pour voir si c'était si c'était correct et si les produits étaient de bonne qualité. Et j'ai vu ça sur la chaîne de... Je me souviens plus. Pourtant, je regarde toutes ces vidéos. De toute façon, son lien sera en barre d'infos, le lien de la chaîne de cette personne-là qui fait beaucoup de... Elle fait des DIY, elle fait des hauls Action et des hauls AliExpress aussi. Et puis, Né Joli. Non, AliExpress, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a donné envie de tester et elle m'a confirmé que les produits sont quand même de qualité, qu'elle avait déjà testé sans faire de partenariat et qu'elle n'avait pas vu de différence. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais faire la même chose qu'elle, je vais tester. Donc c'est arrivé dans une enveloppe à bulles. Donc comme c'était un test, hein, je n'ai pas commandé pour très cher, j'ai juste commandé pour 8 euros. Donc là-dessus, là-dedans, j'avais j'avais mes vernis qui étaient là-dedans, bien très très bien protégés. Hein. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non, voilà. Donc c'est ce site-là. Né Joli. Donc c'est un site chinois. C'est le même style. Pardon. C'est le même style que Light in the Box, sauf que vous n'avez pas les frais de port, parce qu'une fois j'ai voulu commander plein de sacs à main sur, et tester ce site-là, Light in the Box. J'avais dû commander une dizaine de sacs à main pour 50 euros et je me suis retrouvée avec 70 euros de frais de port supplémentaires. Donc voilà, j'ai trouvé que ça ne valait pas le coup. Et j'ai jamais rien commandé sur l'autre site. Là, par contre, les frais de port sont gratuits. C'est un site chinois, je l'ai dit. Et vous avez de tout sur ce site. Ça va de vraiment de tout. Hein. Et c'est les mêmes produits que sur AliExpress. Mais du moins, pour ce que j'ai pu tester, une meilleure qualité quand même. Donc voilà. Ça arrive en 3 semaines. Donc j'ai acheté ce premier stick. Donc j'ai dit que j'en avais eu pour 8 euros en tout. Dans les 1 euro. Alors, sur ce site-là, ils font des promotions très souvent. Celui-ci, je crois qu'il est maintenant dans les 2,30 euros. Mais moi, quand je l'ai commandé, il était en promo. Et je l'ai payé 1,20 euros. Ceux que j'ai achetés sur AliExpress, je les ai payés moins d'un euro. Là, on voit très nettement que la qualité est... Et supérieur, ça ne dessèche pas, enfin on voit moins les imperfections quand vous l'appliquez, les autres je vous avais dit, c'est pas que ça vous assèche les lèvres, mais ça rentre tellement dans toutes les interstices que si vous n'avez pas fait un gommage avant ou hydraté vos lèvres avant, vous allez voir toutes les petites imperfections ressortir. Avec celui-là, pas du tout. On va voir la pigmentation. Par contre, il est trop foncé pour marquer, pour moi. Voilà. Mais voilà, il est un peu plus cher. Voilà, en promotion, je l'ai payé 20 centimes de plus. Mais la qualité aussi est nettement meilleure. Ensuite, à 90 centimes, j'ai commandé ces 2 plaques de stamping. Pour faire le nail art, pardon. Donc sur AliExpress, je ne vous les ai jamais montrés parce que je ne vous ai pas montré des produits que j'avais commandés il y a très très longtemps, il y a plus de 5 ans maintenant. Mais un jour, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté sur AliExpress pour les ongles, pour le nail art. Et donc, il y a bien sûr une couche, un film plastique dessus pour ne pas l'arrayer. Et je vous ferai une démonstration en même temps, parce que j'avais acheté beaucoup de plaques de stamping, que j'avais payé à peu près dans les mêmes prix. Donc le bleu que vous voyez, normalement, c'est argenté en dessous. Mais il y a une couche de protection. Voilà. Donc celle-là, je les ai payées 90 centimes pièce.
Ensuite, ensuite, ça, je me souviens plus. C'est pareil, hein, les prix ont réaugmenté, mais je les ai achetés en promotion. Je crois que les deux étaient à 3 euros, ou c'était 1,90 € l'unité, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs pour faire les stampings. Donc c'est du vernis pour plaque à stamping. Donc j'ai pris un blanc et un noir. La contenance, c'est 15 millilitres. Non, 5 millilitres, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai commandé des foils. J'aimais bien... Voilà. Je vous montre de près. Ça fait des petits flocons un peu argentés. J'aurais dû commencer et je vais vous montrer. Donc ça, c'est une colle à foil que j'ai achetée il y a très longtemps en Chine. Elle est assez très difficile à trouver. Donc là, je vais faire un test devant vous. Donc voilà, la colle à foil, quand vous l'appliquez, ça fait blanc. Vous attendez que ce soit complètement translucide. Et après, vous appliquez le foil. Donc je vais vous montrer de près cette colle, si vous voulez noter les références. Voilà. Et où est-ce qu'on la trouve? Vous pouvez la trouver sur Etsy. J'ai voulu en recommander, mais le vendeur était en vacances ou en rupture de ce produit-là. Voilà, mais ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Hein, je me colle pas des feuilles tous les jours sur les doigts, sur les ongles. Mais voilà, en 5 ans, elle n'a pas séché. Très nickel. C'était dans les 4 euros, hein, par contre, ce produit-là. À l'époque, quand je l'ai acheté. Donc voilà, donc là, on va faire le test. Vous voyez, ça commence à devenir complètement translucide. Voilà, ensuite, vous posez comme ça. Et on aplatit. Vous appuyez bien partout. Après, il y a d'autres colles à foil, mais celle-ci, normalement, avec celle-ci, si c'est bien fait, vous n'avez pas besoin d'y revenir. De remettre une autre couche et de refaire le... Voilà. Voilà, je l'enlève. Et voilà. Bon, je l'ai fait vite fait, hein. Après, vous enlevez ce qui est un peu débordé et puis voilà. Et après, vous mettez votre top coat. Voilà, donc ce site, je suis très satisfaite. Les produits sont de bonne qualité. L'expédition arrive quand même relativement rapide. C'est entre 15 jours et 3 semaines. Et ce que je trouve pratique, c'est une seule boutique. Voilà, un seul vendeur qui fait tout. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, vous avez envie d'acheter plein de choses, mais à moins d'un euro, vous avez une petite case et vous mettez, par exemple, de 0 à 90 centimes ou à 1 euro, et vous allez avoir tous les produits qui vont être dans ces prix-là, etc. Ou après, vous pouvez chercher, bien sûr, par catégorie. Hein. Il y a des coques de téléphone, il y a du make-up, il y a de tout. Il y a des sacs à main, il y a des vêtements. Voilà, exactement comme le site Light in the Box, sauf que
Sauf que vous n'avez pas de frais de port, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce site-là. Je recommanderai. Je vous referai d'autres vidéos. Et je précise bien, ce n'est pas un partenariat. Donc voilà, ce que j'ai commandé, c'est ce que tout le monde, c'est ce que vous recevrez aussi. Enfin, la même qualité, je veux dire. Donc voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée.